Bonjour à tous, vous êtes en direct de FK Monde Télévision. Point de presse Précop 27 2022 ici au Palais du Peuple. Il y a eu la participation de l'Indonésie, il y a eu la participation du Brésil, il y a eu la participation du Congo-Brazzaville et ainsi que la RDC. Suivez quelques thématiques sur le climat du Précop 27 2022. Suivez des précautions que tous les gouvernements ont pris sur ce sujet et pour la réussite totale que la population congolaise puisse en bénéficier aussi. Alors suivez ce point de presse. De la Précop, où nous nous sommes rencontrés ici pour essayer d'avoir cette réunion trilatérale et échanger. En fait, c'est une continuité de ce que nous avions déjà commencé depuis l'année passée lors des travaux préparatoires de la COP 26 et à Glasgow. Nous nous sommes rencontrés, il y a d'abord eu une bilatérale entre la RDC et l'Indonésie, ensuite la RDC et le Brésil, et puis finalement, trois ministres s'étaient rencontrés. Et nous avions eu un certain nombre de choses que nous nous sommes convenus, en commençant par les questions communes, les défis que nous avons ensemble. Comme vous savez, ce sont les trois bassins du monde qui constituent des solutions face aux enjeux du climat. Il y a l'Amazonie, il y a le bassin du Congo et puis il y a le bassin de l'Indonésie. Alors, à l'intérieur de cela, il y a des questions très importantes comme ce qui concerne l'exploitation forestière, ce qui concerne l'exploitation des autres ressources naturelles, ce qui concerne le marché des crédits carbone et tant d'autres programmes. Et en dehors seulement des questions du climat, nous avons beaucoup d'autres défis qui nous concernent compte tenu de l'environnement que nous partageons géographiquement ensemble. Nous sommes sur la même ligne par rapport à la végétation, à nos forêts tropicales humides. Alors, aujourd'hui, la représentante de l'Indonésie est là, que j'avais rencontré aussi le ministre à la fois de l'environnement et le ministre de l'économie à New York lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et j'ai eu l'opportunité aussi d'avoir le représentant du Brésil ici, que j'avais. Il y aura la conclusion en termes d'un accord concret et avec programmation. Ça peut se faire soit avant ou pendant la COP 27. Voilà les échanges qui ont caractérisé ce qu'a été le contenu de notre entretien. Les deux vont aussi devoir s'exprimer, parler au nom de leur pays. So I just make a brief so you can also do the same. Okay.
deux ministres qui sont venus au Mans, la RDC, également Mme Dan, qui est également ministre de l'Environnement et Développement durable. Je pense que les deux pays verts, c'est quoi ça, direct. Aussi également le pays de l'Environnement de passer des cours également, en termes de tension du climat et également de l'environnement de l'Union. Et je pense que la bilatérale, tout à l'heure, vit avec Mme Arlette, qui est la femme de la Pays-Bas. Mais cela pourrait par Mme Arlette pour faire la réflexion de cette rencontre. Également Mme Arlette pourra également un peu amener. Je pense que les deux pays également sont en commun des directeurs en termes d'enjeux en Europe. Bon, je suis déformée, les amis, par mon premier métier de journaliste. Je vais peut-être compléter mon jeune frère. La ministre Esbazaïba est ministre, elle est vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, et elle est la présidente de la pré-COP avec l'Égypte. C'est très important de le notifier. C'est la RDC qui porte la pré-COP. La modeste personne que je suis ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo. J'ai une double casquette, je suis la coordinatrice également de la commission climat du bassin du Congo, dans laquelle la RDC, qui est notre pays continent aujourd'hui, est également pays membre. C'est à ce double titre-là que vous comprenez que nous avons eu dans cette bilatérale, parce que nous sommes en train d'aller dans une démarche portée par la RDC dans le cadre de la pré-COP sur le plan global de la CENUC. Elle porte l'outil de la CENUC, la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, mais moi, dans le cadre du bassin du Congo. Sinon, vous vous dites pourquoi elle ne change pas de cette façon avec les autres États. Voilà la passerelle qui nous lie, parce qu'elle porte l'ensemble des pays de la planète, pays partis au climat, dans le cadre de la pré-COP, et nous partageons en commun le bassin du Congo, également comme pays membre. Voilà. Oui, merci beaucoup, Madame Nono Souza. Et je crois que vous êtes vraiment dans votre voie. Je pensais que vous alliez être d'ailleurs de l'autre côté. Oui, elle est dans son métier de journaliste, et je comprends. Oui, c'est vrai. Les deux Congos, nous sommes un pays en deux. Un pays en deux États. Voilà. Donc, c'est la République du Congo et la République démocratique du Congo. Nous partageons beaucoup de choses en commun. Il y a l'environnement, il y a la dénomination du pays, il y a la ressource en eau, donc le fleuve Congo, il y a la langue, la culture, les noms et les habitudes. Nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup d'intérêts en commun, nous avons aussi beaucoup de défis en commun. Lorsque nous parlons du bassin du Congo, en termes de forêts tropicales humides, n'oubliez pas, il y a aussi quelque chose de très important aujourd'hui, ce sont des tourbières qu'on sait du bassin du Congo que nous partageons entre le Congo, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Donc c'était tout à fait normal que nous prenions un peu beaucoup plus du temps à essayer de voir en profondeur dans ce que nous devons présenter comme position commune face aux enjeux ici au niveau de la pré-COP, au niveau de la COP. Il y a des COP aussi en ce qui concerne la biodiversité. Il y a d'autres discussions, des négociations. C'est vrai, avant de sortir au niveau du bassin du Congo dans son ensemble, nous commençons d'abord par les deux Congos à consolider nos positions, et ces positions, nous les amenons au niveau du bassin du Congo, nous les élargissons au niveau de l'Afrique et même au niveau des pays le moins avancés. Donc nous constituons une fondation, la solution dont on parle face aux enjeux du climat. Donc voilà un peu, c'était dans l'ensemble le contenu de nos cogitations. Et bientôt, vous allez peut-être le savoir lorsqu'on aura d'autres communiqués. Mais s'il y a des questions à poser, je lui passe la main pour répondre à ces questions. Merci. Avec une question. Entre les deux Congo, sur une superficie de 165 500 exactement, il a été mis en lumière en 2018. Ces écosystèmes très particuliers, qui sont les tourbières du bassin du Congo. Du côté de la République démocratique du Congo, il y a près de 116 000 km². Du côté de la République du Congo, il y a près de 54 à 55 000 km².
Mais la somme des deux tourbières que j'ai rappelées, la superficie, stocke pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète et 15 à 20 ans des États-Unis d'Amérique. Ce que vous deviez comprendre, c'est que ces écosystèmes particuliers font 200% de biomasse des forêts. Lorsque nous parlons du point 1,5 degré recommandé par le GIEC, si nous ne prenons pas en compte ces écosystèmes fragiles et particuliers des tourbières, nous basculons, comme le disent les scientifiques eux-mêmes, entre 3 à 4 degrés Celsius, et vous comprenez que cela devient invivable. Et donc aujourd'hui, cela s'impose au reste du monde. Parce que pour vous qui devez nous accompagner dans la sensibilisation, vous devez retenir une chose. Les forêts de façon classique, telles que vous les connaissez, dans leur définition du bassin du Congo, séquestrent 1,5 milliard tonnes de CO2. Alors que je vous l'ai dit à l'instant, les tourbières, c'est 31 milliards de tonnes de CO2 séquestrées. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous reprenons ces écosystèmes dans l'ensemble de nos négociations parce qu'il y va de la survie de l'humanité. Et ce sont ces services que nous rendons, qu'on appelle à l'humanité, des services écosystémiques. Et nous avons déjà réussi à inclure cela dans la majorité des textes. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur le plan de l'adaptation parce que ces tourbières fonctionnent en termes d'atténuation de la régulation du climat. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce niveau. Que ce soit pour les tourbières ou pour les forêts, tout ce que nous sommes en train de faire, la protection de l'environnement, c'est l'homme, l'être humain qui est au centre des préoccupations. Lorsque nous parlons que nous devons nous battre à atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius dans l'atténuation, c'est pour que l'homme, l'être humain, vive en paix, respire normalement, évolue normalement. Donc cela veut dire que tout le travail que nous faisons, lorsque nous réclamons justement la protection de cette biomasse-là, des écosystémiques, des tourbières, nous réclamons la compensation de la vie quotidienne de la population, c'est justement pour donner l'accès au bien-être social à cette population. Parce que, entendez-vous dire, nous vivons dans la forêt, nous vivons dans les tourbières, autour des tourbières, parce que ce sont des zones marécageuses. Nous vivons de ça. Parce que les tourbières, il n'y a pas que le stock de carbone dedans. Dans les tourbières, c'est un milieu très important où vivent. On s'alimente en termes de poissons, on s'alimente en termes des autres végétaux, on s'alimente en beaucoup de produits non lignés. Alors, si nous devons les protéger, pour qu'il n'y ait pas accès, pour qu'on ne puisse pas les détruire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner l'alternative au mode de vie de cette population. C'est dont a parlé Madame la Ministre, que déjà ces tourbières jouent un rôle d'atténuation, n'est-ce pas? Là où nous devons nous battre, c'est l'adaptation. Comment est-ce que la population environnante va devoir s'adapter à la nouvelle donne du climat? Elle peut me comprendre. Ce que je dirais, c'est quoi? Nous sommes en train de nous battre pour obtenir ce qu'on appelle une compensation. Puisqu'il nous faut lever, comme l'a dit Madame la VPM, une économie alternative de substitution pour nos communautés qui vivent de cueillette et de chasse. Parce qu'il y a dans ces tourbières une biodiversité de faune et de flore. Et il nous faut donc demander à ces populations, même si nous voulons aller vers une agriculture qui veut être résiliente dans ces zones-là, il faut de l'argent pour aller à cette transition. Parce que pour porter la notion de durabilité, ça demande de l'argent. On vous demande de changer le mode de consommation de l'humain pour pouvoir justement continuer à exploiter. Et donc aujourd'hui, nous nous battons justement pour que dans le cadre de ces compensations, de ce qu'on appelle l'adaptation, également les financements, nous levons cette économie qui veut être solidaire et circulaire pour ces communautés. Et au travers de ces initiatives économiques,
remplir un peu, contribuer à l'assiette fiscale. Parce que ce qu'on ne vous dit pas assez, c'est que ce n'est pas l'État qui porte les projets, mais c'est le secteur privé. Ce secteur informel dont nous parlons, eh ben, nous, l'État, nous donnons le cadre institutionnel et réglementaire, justement, les outils pour trouver, lever des financements pour donner une économie alternative à ces populations qui ont droit de vivre. Et nous disons au reste du monde, doit-on protéger l'arbre au détriment de l'homme? Qu'est-ce que l'on fait? Et ce qu'on ne vous dit pas également, nous sommes responsables. Ce qui veut dire que même si nous devons exploiter, admettons qu'il y ait des énergies fossiles, parce que la tourbe, lorsqu'elle se constitue, souvent généralement en bas, il y a des énergies fossiles qu'on appelle classiquement le pétrole. Même si nous devons les exploiter, ces tourbières, mais nous avons des études d'impact environnemental et social qui nous mettent à l'abri de la dégradation même de cette nature généreuse qui stocke du carbone. Donc, il faut que vous compreniez ces mécanismes-là. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on nous demande de mettre sous cloche nos forêts immergées, sous cloche nos mangroves, sous cloche notre biodiversité, au détriment même d'une économie qu'il nous faut lever. Parce que nous parlons là en termes de développement durable intégral, qui inclut économie, social et environnement. Donc voilà à peu près, Madame la Ministre, le complément à votre réponse. Ça, c'est bon ? Merci. Merci à vous. Merci, Marcel. Madame la Ministre.